la chance de voir un reportage sur France 3 un mercredi matin, je pense, donc qui présentait un petit peu la convention, qui expliquait un petit peu comment les gens allaient être contactés. Et le soir même, mon téléphone portable a sonné. Et effectivement, un jeune homme s'est présenté comme appartenant à la convention et me demandant si jamais j'étais intéressée pour participer. Donc j'ai été agréablement surprise parce que quand j'avais vu le reportage, j'avais trouvé que c'était une initiative intéressante. Donc j'ai accepté immédiatement. On a eu beaucoup d'informations sur ce premier coup de téléphone, notamment au niveau des dates, bon, qui ont peut-être été présentées un peu rapidement. Mais enfin, globalement, voilà, j'avais donné mon accord de principe. Et puis, ça me semblait vraiment une initiative intéressante et utile. Je trouvais que deux choses étaient intéressantes dans cette démarche. D'une part, bah, la question du climat quand même, bien sûr, et puis la participation citoyenne. C'était une journée en tout cas bien chargée, bien intéressante. Voilà, après, on est modeste, on se dit qu'à notre niveau, que va-t-on vraiment apporter, nous? Je pense que le plus important de notre côté, ce sera sans doute la question de la justice sociale. Parce qu'en tant que citoyen lambda, voilà, je pense que c'est là-dessus qu'on peut vraiment apporter des choses. Après, tout ce qui est vraiment technique et autres, ce sont les spécialistes quand même qui sont mieux placés que nous. Après, au niveau des échanges avec les collègues de la convention, c'est très intéressant parce qu'on voit des gens de tous horizons qui ont plein de choses à apporter, qui ont leur vécu, leur profession, leur famille. Et voilà, on a des échanges très riches avec des idées qu'on échange les uns avec les autres. Voilà, c'est très très enrichissant de rencontrer toutes ces personnes qui nous apprennent, à nous déjà, en tant que petits citoyens, beaucoup beaucoup de choses. Comme tout le monde ici, on aimerait qu'effectivement il y ait des choses concrètes qui puissent donc sortir de cette expérience. Après, moi je suis modeste, je sais que tout n'est pas facile à mettre en œuvre, mais quand bien même si certaines idées ne sont pas réalisables dans l'immédiat, et ben, c'est bien de pouvoir les évoquer et puis de pouvoir les garder sous le coude pour les années futures. L'intérêt aussi de cette convention, c'est qu'après, on repart chacun dans nos régions avec des connaissances et puis des interrogations et beaucoup d'éléments, ce qui fait qu'on peut en discuter dans notre entourage. Et dans notre entourage aussi, on a des personnes qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de choses à apporter. Donc voilà, l'idée aussi, c'est que ça fasse tache d'huile au niveau national, à notre petit niveau, bien sûr, mais qu'on puisse en discuter avec beaucoup, beaucoup de monde et puis apporter des idées nouvelles à ce niveau-là.